Bon, j'ai démonté le bivouac ce matin. Il a plus de 3 heures à 6 heures du mat, quoi. Du coup, j'avais tout qui est trempé, enfin, toute la tente qui est trempée, quoi. Ah, ce matin, il fait pas super beau. Il a pas l'air de pleuvoir. Il faut que je passe le col là. J'espère que ce sera mieux de l'autre côté. Allez. Plus. Voilà, je suis arrivé au sommet du col de la Vache ce matin en même temps que le soleil. J'ai enfin récupéré du réseau, j'ai pu donner des nouvelles. Ça c'est cool, parce que bon, ça faisait un peu chier quand même. Du coup là j'ai une grosse descente qui m'attend, on m'a dit de faire bien attention, donc je vais y aller prudemment et je me ferai une petite pause à l'Aube d'Aiguebelle un peu plus loin dans la vallée là-bas. Regardez, c'est quand même beau. Voilà, je sais pas si avec le soleil dans l'objectif on va voir, mais c'est quand même pas dégueu. Un chamois juste là, là. Il est tout seul le bougre. Je vais aller vers lui. J'aimerais bien gambader aussi vite. Hein. C'est incroyable. Les cris des oiseaux, le chamois, un grand cirque de montagne, il n'y a personne. Comme à la montée, depuis tout à l'heure à la descente, je suis dans un gros pierrier. J'ai une pierre qui vient de se... une grosse pierre qui s'est dérobée sous moi, là, juste un peu plus haut. Bon, ça va, je me suis juste une mini égratignure derrière du tout. Mais bon, je suis pas un grand grand fan, quoi. Regardez-moi ça. Ils sont énormes, quoi. C'est des poneys, les machins. Encore des bouquetins, hein. Ils sont costauds. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là-haut, là. Là. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Ils sont tous donnés rendez-vous ou quoi? J'arrive de là-bas. Tac. Je monte là-haut. Je suis dans un nuage, en train de descendre le passage de la brèche fendue, c'est ça, je crois?
C'est une espèce de trou dans la montagne. On aperçoit vaguement là. C'est assez irréel quoi. Il n'y a pas un bruit, il y a du dans le nuage.